Bonjour les amis de la passion ludique et bonjour les bluffeurs. Aujourd'hui on joue à Sheriff of Nottingham. Alors, je vous fais un aveu. Ce jeu-là, je l'ai depuis quasiment 2 ans dans ma bibliothèque. J'ai fait lire les règles à un ami déjà peut-être 3 fois et jamais on a réussi à y jouer. Mais quelle erreur! Quelle erreur! Je sors d'une semaine de jeu intensive. J'ai joué à une quinzaine de jeux et c'est lui qui m'a le plus plu. Alors je vous explique rapidement ce que c'est. C'est tout bête. Prenez des amis, dites-leur qu'ils sont des marchands, qu'ils aimeraient sur leur étal de marchands vendre des marchandises qui sont des pommes, du pain, des poulets et du fromage. Mais que pour ça, il faut d'abord passer la frontière ou la douane, si vous voulez, et que le shérif de Nottingham, un peu bougon, va essayer de leur faire payer des taxes. Dans ce jeu, vous jouez tour à tour le marchand ou le shérif. Chacun des joueurs va jouer le shérif. Quand vous êtes marchand, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est simplement de faire passer des marchandises. Vous avez un deck de 6 cartes dans la main. Vous pouvez échanger ces cartes avec la défausse ou la pioche qui est au milieu. Tout simplement. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez dans votre petite pochette individuelle glisser 1 à 5 cartes pour les faire passer sur le marché. Le joueur qui joue le shérif va vous interroger. Qu'est-ce que tu as mis dans ta petite sacoche? Et là, vous allez devoir soit dire la vérité, soit évidemment bluffer. Mais il y a des conditions. Vous devez dire le nombre de cartes exactes que vous avez mis, ça vous n'avez pas le droit de tricher. Et vous n'avez le droit d'annoncer qu'un seul objet dedans. Si vous avez mis 4 cartes, vous devez dire qu'il y a 4 pommes. Peut-être qu'il n'y a aucune pomme. Peut-être qu'il y en a 3 plus un autre objet. Peut-être qu'il y a 2 pommes et 2 autres objets. Mais vous avez le droit de dire que pomme. Le shérif va vous croire et vous laisser passer. Très bien, vous pourrez mettre toutes vos marchandises sur l'étal. Ou au contraire, il vous dira, non, 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 mon petit loup, fais voir la marchandise, je vais te fouiller. Et là, vous aurez le droit soit de jouer le bluff en disant « Mais vas-y, fouille-moi, ne t'inquiète pas, de toute façon, j'ai dit la vérité. » Ou au contraire, vous sentir un peu obligé de lui payer un petit pot de vin, de lui promettre une marchandise, de lui dire que quand la prochaine fois vous serez shérif, eh bien, vous le laisserez passer. Bref, négociation, bluff, tout ce que vous voulez. Et si il ouvre votre sac et que vous avez dit la vérité, eh bien, il vous paiera des taxes de son argent de joueur. Par contre, si vous avez menti, il vous confisquera la marchandise illégale et vous devrez payer une taxe pour cela. Et voilà, c'est ça. Ce jeu, c'est ça. Et ainsi de suite, nous allons être chacun shérif. Nous allons essayer d'extorquer les autres. Nous allons essayer de faire la plus belle collection de marchandises pour ensuite en être les rois et les reines pour marquer des points. L'argent, c'est aussi des points de victoire. Et c'est un joyeux foutoir de bluff. C'est hyper drôle. C'est peut-être le meilleur jeu de bluff auquel j'ai joué. Franchement, ça marche tout le temps. Des fois, c'est un peu frustrant parce que vous ratez tout. Et des fois, c'est génial parce que vous faites passer des marchandises illégales sans qu'on vous contrôle. Bon, et c'est hyper amusant. J'ai pas autre chose à vous dire. Jouer à Sheriff of Nottingham, c'est juste trop bien. Enfin, si vous avez des amis qui aiment ce genre de jeu, qui aiment bien un peu tchatcher, qui aiment bien bluffer, Sheriff of Nottingham. Si vous aimez. Si vous avez des amis qui aiment les jeux de bluff, qui aiment tchatcher, qui aiment s'amuser, bah, jouer à Sheriff of Nottingham. Voilà. Coupe. Si vous avez des amis qui aiment bluffer, qui aiment tchatcher, qui aiment jouer comme ça le jeu, eh bien, jouer à Sheriff. Puis c'est tout, quoi. Bah, jeu de société égale amusement. Sheriff of Nottingham. À bientôt, les amis. À quand on joue. Ciao.